Eh bien, salut tous les amis, c'est Archi, comment ça va? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir la nouvelle zone qui a été ajoutée sur Caldera, donc sur Warzone bien évidemment, gros event également qui arrivera en même temps, vous allez voir, on a pas mal de choses qui vont se passer et on va découvrir toutes les nouveautés donc sur la map et sur Warzone avec cette saison 5. Mais en chose, je vous rappelle qu'on est en live pratiquement tous les soirs sur la chaîne Twitch qui est en description, n'hésitez pas à la checker, on est en live et n'hésitez pas à la suivre et surtout on joue ensemble, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a aussi mon compte Twitter. Mon compte Twitter, n'hésitez pas à les suivre également pour booster un maximum. En tout cas, merci beaucoup des personnes qui suivront et qui s'abonneront également à la chaîne YouTube pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Allez, on va partir dès maintenant pour découvrir la nouvelle zone. Allez les amis, on va partir pour découvrir la nouvelle zone. Donc Pic, comme vous avez pu le voir, est devenu maintenant un volcan qui est rentré en éruption. On va aller voir un petit peu tout ce qui a été modifié. Donc Pic est toujours aussi haut, hein. Il n'a pas été réduit en termes de hauteur, même si on aurait pu penser qu'ils allaient potentiellement faire cette petite modification. Mais non du tout, hein. Ils ont juste rajouté de la lave. Pic est rentré en éruption. On va aller checker un petit peu tout ça. Normalement, logiquement, si on touche la lave, on meurt potentiellement, on prendra feu. Donc comme si on prenait une molotov. Donc on pourrait juste en fait perdre des points de vie ou sinon ça nous instant kill, je sais pas, on verra en tout cas ce qu'il en sera. Mais en tout cas on va aller découvrir tout ça, on va aller voir, il y a une nouvelle zone également à Pic, hein. Il y a un nouveau bâtiment qui est tout à gauche là, vous voyez qu'il y a un nouveau bâtiment qui a été ajouté sur Pic. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-ci. Donc petit spawn classique et ensuite on ira voir, il y a beaucoup de monde qui vont venir spawn ici, donc on va... faire un petit peu attention, ok, waouh, ok, on a des, okay. On a des jetons également pour l'événement qui est arrivé, donc l'événement qu'on a pu voir avec les V là, bah voilà, débloquer la carte de visite, ça c'est déjà fait. On a pris la seringue les amis, nouvelle seringue qui est arrivée, regardez, la seringue on l'a, c'est le stimulant là, la seringue bizarre qui a été ajoutée. Donc on a pris pas mal de choses, ok, c'était un petit peu tendax. Il y a un mec toujours au-dessus, oh le X1 tiens, on va tester au moins la nouvelle arme aussi. Waouh, il y a tellement de nouveautés là qu'on peut tester en même temps, c'est cool. Ok, donc on va aller voir la nouvelle zone, on va voir également un petit peu ce qui se passe au niveau du volcan. Est-ce qu'on peut tester? Il n'y a personne en bas, hein, tout le monde est en haut. Hein. Tout le monde est en haut, tout le monde est en haut. Ouais, tout le monde est dans le bâtiment, très bien. Nous, on va aller checker un petit peu ce qui se passe au niveau du volcan. Alors, attends, il y a de la lave, mais il n'y a pas de lave. Ah, les volcans vont rentrer en éruption un peu plus tard, je crois, non? Non, attends, il y a de la lave. Ah, non, il y a de la lave. Ok. Là, on a de la lave, très bien. Donc, on va aller checker un petit peu ce qui se passe. Ok, donc la lave, même pas, elle est mobile. Hein. La lave, elle est bien fixe, bien figée. Ah non, elle bouge. Ok, très bien. Ils ont fait une innovation. Alors attends, je suis descendu là, maintenant je peux plus remonter, c'est ça? Ok, ok, on va aller vers... on va aller vers la nouvelle zone, on va aller découvrir un petit peu ça, c'est un petit peu les grandes nouveautés de Pic, hein. Le volcan qui ne change absolument rien, mais par contre, nouvelle zone qui, elle, change quelques petites choses. On va pouvoir tester également le petit stimulant, du moins, le, je sais plus comment ils l'ont appelé, le mode rage, je crois, non? En tout cas, le X1, on est assez mobile avec, et on a 120 balles, donc c'est vraiment cool. Oh, bien! Oh, j'aime bien! J'aime beaucoup la zone. J'aime beaucoup, beaucoup la zone. On a l'air d'avoir un peu de loot également ici. J'aime bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret maintenant dans cette... Oh, bien, j'aime bien. J'aime bien la zone. Franchement, la zone, pour une fois, ils ont fait une belle zone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret ici caché? On va aller voir un petit peu, explorer. Ah, c'est beau, attends. Est-ce que... oh, il y a des bruits et tout. Alors, j'ai peur de tomber et de mourir. Ok, donc il doit avoir un secret, je pense. Hein. Il doit avoir un petit secret ici avec le... avec les radios, tout ça. Je me demande s'ils n'ont pas ajouté ça. Bon, ça ne sert à rien, ça. On va pas le prendre. Ouais, je me demande s'ils n'ont pas ajouté un secret. En tout cas, c'est pas mal. Oh, ça fait un bordel, par contre, le truc. Explorons. On est vraiment littéralement en exploration, là. 120, 180. Ok, très bien. On a des radios ici. On a une zone ici. Oh, bien, attends. Eh, la zone, elle est quand même pas mal grande, en vrai. Hein. On va pas se mentir que... pour une fois, ils ont fait un truc... ils ont fait un truc intéressant. C'est que vraiment, pour une fois, c'est la meilleure zone, je pense, qu'ils aient ajouté sur, sur tout Caldera. Elle est stylée. Du moins, elle est stylée. Après, est-ce qu'elle est intéressante ou pas, on va explorer un petit peu ce qui se passe. Le but n'est pas de faire top 1, hein, pour vous rassurer ou quoi que ce soit, pour vous spécifier ça. On est vraiment là pour de la découverte, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on n'est pas là du tout pour le top 1. Si on meurt, c'est pas très... ok. Donc en vrai, ok, il y a une ouverture maintenant ici, très bien. Et on peut descendre vers la nouvelle zone. J'aime beaucoup, en fait, le style pierre, où on rentre dans la colline, dans la montagne. C'est vraiment assez cool. Bon, on continue d'explorer. On peut descendre encore plus bas? Mais non. Ah non, ok, d'accord. Juste l'étage du bas. Ok, bon, en soi, on a des bureaux ici sur de la pierre. J'aime bien le style. En fait, j'aime beaucoup le style qu'ils ont mis à cette zone. Après, la zone, elle n'a pas l'air d'avoir des choses intéressantes. Je regarde s'il n'y a pas des secrets ou quoi que ce soit, mais...
Il y a un truc qui est tombé pas loin, ça s'est refermé, donc on va pouvoir récupérer des trucs. Ok. Là, on a un petit balcon. Est-ce qu'on peut péter ça? Bien sûr qu'on peut le péter ça. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Oui, bien. J'aime bien, on peut être assez mobile. Par contre, je suis un peu déçu qu'ils aient pas mis un petit secret, genre. Genre un petit truc à découvrir ici. En soi, qu'on se le cache pas, on a que ça littéralement à découvrir sur Caldera. Hein. On va également. Je sais pas, je me dis que sur l'ordinateur, peut-être, je sais pas, il y a un code à rentrer, il y a un truc à regarder. Non, il y a rien. Hein. Oh oui, l'arme laser. Oh bien. Elle se recharge comment? Oh, j'aime bien comment elle se recharge. En plus, elle se recharge rapidement. Ici, on a sur le nouveau POI, on a donc un ballon qui a été ajouté, un market également qui a été juste mis au-dessus, en dessous. On va explorer, tiens, on va explorer un peu plus. On testera le mode rage juste après. Je sais même plus s'il s'appelle comme ça ou pas. Je crois hein, que ça s'appelle le mode rage. Ok, bon, allez, on va prendre ça. Est-ce qu'il y a du monde ici ou pas? Ouais, il y a du monde à 40 mètres dans le bâtiment. Très bien. On va explorer encore un petit peu. On a quoi ici? Ok, donc ici on rentre. Oh, attends, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Nouvelle zone avec. Ok. On peut monter à l'étage. Ok, on peut monter et rejoindre le toit du bâtiment. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'ai failli passer à côté de cette zone là. Il y a des pelles. Attends, il y a des pelles. Est-ce qu'on peut les ramasser? Non. Ça dégoûte. Oh, j'aime beaucoup. Oh, la zone est incroyable. Oh, la zone est incroyable. Vraiment la meilleure zone qu'ils aient ajoutée sur le. Oui, d'accord. Donc on prend les dégâts. C'est bien ça. La meilleure zone qu'ils aient ajoutée sur le jeu. Vraiment. Elle est incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon le style lave, donc automatiquement quand tu en mets dans une zone, on est pas mal. On va refaire la scène Star Wars, c'est pas grave. Ok, bon, il y a du monde qui sont déjà passés par là, ou un mec est déjà passé par là. Du C4, ok, ils ont changé un petit peu la forme du C4. Bon, en tout cas, on va pouvoir découvrir ce fameux nouveau goulag, hein, et voir un petit peu ce qu'il donne et ce qu'il nous réserve. C'est donc le goulag qui nous a été proposé dans les premières saisons de Modern Warfare. Donc avec les douches hein, du premier goulag à vie. Ok, on va changer de position. Quoi? Attends, mais ils ont changé le système de prise de drapeau. Ils ont changé le système de prise de drapeau. Le drapeau, il se prend par des petits trucs. Bon, mais en tout cas, voilà. On aura découvert au moins ce nouveau goulag. On aura découvert également la nouvelle zone. Voilà pour en tout cas les nouveautés sur Warzone au niveau de la nouvelle zone Caldera. Mais également, on aura découvert le nouveau goulag. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et qu'on aura un petit peu découvert toutes ces nouveautés-là pour cette nouvelle saison. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour ce qu'a pensé de la vidéo. Également, à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube. Donc, il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour suivre ce qui va arriver prochainement en vous abonnant à la chaîne YouTube en description. Vous avez énormément de choses, vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch. On en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait également pas mal de choses et on joue ensemble. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et sur le compte Twitter, vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos, des derniers lives. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en description à les suivre pour booster un maximum ma chaîne. En tout cas, merci à ceux qui le feront. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.